Les Anunnaki sont un groupe fascinant de divinités de la mythologie sumérienne, souvent représentés comme des êtres puissants descendus du ciel. Ces anciens dieux ont joué un rôle crucial dans les mythes de création et les récits des débuts de la civilisation mésopotamienne, influençant tout, de l'agriculture à la gouvernance. En nous plongeant dans le monde des Anunnaki, nous explorerons leur importance non seulement dans les textes anciens, mais aussi dans les discussions modernes autour des théories sur les anciens astronautes. Cette exploration nous invite à réfléchir à la manière dont ces figures mythologiques ont pu façonner la compréhension humaine du cosmos et de la place que nous y occupons. En examinant l'influence des Anunnaki, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur les croyances et les pratiques des premières civilisations, ce qui enrichit notre compréhension de l'histoire de l'humanité et de son lien avec les étoiles. Cette exploration nous invite à réfléchir à la manière dont ces figures mythologiques ont pu façonner la compréhension humaine du cosmos et de la place que nous y occupons. En examinant l'influence des Anunnaki, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur les croyances et les pratiques des premières civilisations, ce qui enrichit notre compréhension de l'histoire de l'humanité et de son lien avec les étoiles. Des textes clés comme l'Enuma Elish permettent de mieux comprendre leur rôle, illustrant la manière dont ces dieux interagissaient entre eux et avec l'humanité. En comprenant les origines et l'importance des Anunnaki, nous pouvons apprécier leur impact durable sur la culture sumérienne et le contexte plus large de la mythologie ancienne. Le concept des anciens astronautes suppose que des êtres extraterrestres, comme les Anunnaki, ont visité la Terre dans les temps anciens, influençant la civilisation et la culture humaine. Les partisans de cette théorie, comme Eric von Däniken, affirment que de nombreux textes et artefacts sumériens suggèrent des connaissances et des technologies avancées qui n'auraient pas pu être développées par les seuls humains. Ils citent les représentations des Anunnaki dans l'art et la littérature anciens comme preuve de l'existence de ces visiteurs célestes. En outre, certaines découvertes archéologiques, telles que les structures complexes de l'ancienne Mésopotamie, sont interprétées comme des marqueurs potentiels de compétences techniques avancées qui auraient pu être transmises par ces êtres. Bien que certaines preuves appuyant ces théories, les sceptiques affirment que de nombreuses interprétations sont spéculatives et manquent de preuves concrètes. Ce débat permanent nous invite à reconsidérer notre compréhension de l'histoire et des origines des réalisations humaines. On attribue souvent aux Anunnaki d'importantes avancées qui ont façonné les premières sociétés humaines, en particulier à Sumer. Leur influence s'est manifestée dans le développement de l'agriculture, où l'on pense qu'ils ont introduit des techniques agricoles qui ont conduit à une production alimentaire excédentaire, favorisant la croissance de la population. En architecture, la construction de ziggourats et d'autres structures monumentales témoignent de compétences techniques avancées attribuées au conseil des Anunnaki. En se répandant, la culture sumérienne a profondément influencé les civilisations voisines, telles que les Akkadiens et les Babyloniens, qui ont adopté divers aspects de la gouvernance, de la religion et de la technologie sumérienne. De nombreux experts affirment que le fait d'attribuer les progrès au seul Anunnaki porte atteinte à l'ingéniosité des civilisations anciennes. Les contre-arguments soulignent l'importance de la pensée critique lors de l'évaluation des affirmations historiques, nous invitant à nous appuyer sur des recherches fondées sur des preuves plutôt que sur des spéculations. La théorie des anciens astronautes, bien qu'intrigante, fait l'objet de critiques importantes de la part d'historiens et d'archéologues qui affirment qu'elle simplifie à l'extrême des récits historiques complexes. Parmi les exemples spécifiques, on peut citer l'établissement de codes juridiques et de systèmes administratifs qui ont jeté les bases des sociétés futures. En examinant ces contributions, nous pouvons comprendre comment les Anunnaki ont pu jouer un rôle central dans l'évolution des premières civilisations humaines et dans leur héritage durable. Les sceptiques soulignent que de nombreuses interprétations de textes et d'artefacts anciens peuvent s'expliquer par l'évolution culturelle et l'innovation humaine. En explorant le récit des Anunnaki, il est essentiel de considérer de multiples perspectives en reconnaissant que si l'idée d'une influence extraterrestre est captivante, il est tout aussi vital d'apprécier les réalisations des premières sociétés selon leurs propres termes. Cette approche équilibrée favorise une meilleure compréhension de notre histoire commune et des complexités du développement humain. En résumé, les Anunnaki occupent une place importante dans la mythologie sumérienne, représentant de puissantes divinités qui ont façonné les premières civilisations humaines par leur influence sur l'agriculture, l'architecture et la gouvernance.
Leurs origines dans les récits anciens nous invitent à explorer l'intersection de la mythologie et de l'histoire, nous incitant à considérer comment ces récits peuvent refléter des vérités plus profondes sur l'expérience humaine. En réfléchissant à l'impact historique potentiel des Anunnaki, il devient évident que la compréhension de ces figures anciennes enrichit notre appréciation des sociétés primitives. Si cette exploration vous a intrigué, nous vous encourageons à vous abonner, à aimer et à partager cette vidéo pour en savoir plus sur les civilisations anciennes. Rejoignez-nous pour continuer à découvrir les mystères de notre passé et les histoires qui ont façonné l'humanité à travers les âges.